suis devenue donneur de sang parce qu'en l'année 2000, les agents de santé étaient en prospection pour collecter des sangs quand ils sont venus dans mon service où j'étais à Abomey. Cela m'a intéressé, j'ai donné le sang le jour-là. Ils sont partis 2 semaines après, ils m'ont ramené les résultats. Et sur mes résultats, j'ai compris qu'ils ont fait 7 analyses et tout était négatif. Et j'ai donné, quand ils sont partis, ils m'ont dit 4 mois après, ils vont encore revenir. Ça, là, ils ne sont plus venus, mais je suis allé là-bas au centre de santé donner. Et j'ai donné 2 ou 3 fois. Quand j'ai demandé, mais au fait, comment ça va se passer, ils ont dit non. Chaque fois quand je donne, je suis du groupe B+, et que ça sauve beaucoup de vies. Donc chaque fois quand je donne mon sang, ça sert à sauver des vies humaines. Donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Mais quand chaque fois je vais quand même sauver la vie de quelqu'un, il faut que je donne chaque fois. Donc depuis ce jour, j'ai commencé par donner régulièrement. Chaque fois qu'on m'a fait quelque part, je me rapporte du laboratoire, je donne. Donc quand on m'a fêté à Azové en 2008, j'ai continué le même processus ici. Quand en 2016, on m'a appelé de Lokosa, le chef d'antenne m'a appelé de Lokosa pour me dire que je suis la meilleure donneur de sang dans le Koufou. Donc je dois être décoré à Paramo. Ce qui a été fait, c'est ainsi. C'est comme ça que je suis devenu chevalier de l'ordre des donneurs de sang. Après que j'ai reçu ce titre, cela m'a beaucoup encouragé et chaque fois, je parle de sang, je vais même dans les autres structures, ce sont sœurs, et je leur parle de don de sang. Beaucoup donnent déjà. Et je suis allé aussi sur le PAC, auto ici, j'ai mobilisé les gens pour qu'ils donnent. Donc actuellement, chaque fois, je sensibilise les gens par rapport au don de sang. J'ai commencé à donner le sang depuis 1993. Et pour le premier don de sang, c'est l'un de mes oncles de nouveau, Yetinko Joseph, qui m'a encouragé à le faire. Et depuis ce temps-là, je suis dedans jusqu'à ce jour. Il y a un certain nombre de dons de sang qu'il faut d'abord avant d'être décoré. Donc on ne donne pas une fois, deux fois, et tu seras décoré. Donc j'ai donné plus de 40 fois. J'ai donné plus de 40 fois, sinon, et le moment que j'ai donné, moi je ne savais même pas que le nombre que j'ai donné en ce temps-là, ça suffit déjà pour qu'on puisse me décorer. Et quand j'ai commencé ici, pourquoi ça atteint jusqu'à ce niveau? Je suis quitté ici, bon, quand j'ai voyagé jusqu'en Côte d'Ivoire, j'ai commencé par donner le sang là-bas aussi, même au Burkina, et j'ai commencé par donner. Donc le sang que j'ai donné, ça vaut plus que ce qu'il faut donner pour être un donneur de sang fidèle. Donc avec ça, quand je suis rentré, j'étais là un jour, on m'a appelé. Et quand on m'a appelé, c'est pourquoi? C'est pour me décorer. Et qui m'a appelé en ce temps-là? C'est Monsieur Dako Kodjo Justin. Et c'est lui qui m'a appelé, c'est notre chef de l'ANDIES. Et quand il m'a appelé, on est allé jusqu'à Cotonou. Il m'a prévenu. On est parti là-bas, donc en ce temps-là, jusqu'à ce jour, pour faire la décoration des donneurs fidèles de sang, on prend une personne dans le mono et une personne dans le koufou. Donc en ce temps-là, on était 2 à être décorés le jour-là. Il y a moi et une fille, Louise. Donc jusqu'à ce jour, on continue à donner. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien, moi. Et tous les 3 mois, je ne cesse pas de donner. Donc j'invite mes frères du mono et du koufou, ceux qui n'ont jamais donné et ceux qui ont donné une fois, deux fois et n'ont pas voulu encore, de tout faire pour commencer à donner. Pourquoi? C'est pour sauver notre vie et la vie de nos frères.